Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Il est 7h sur les ondes d'Agen 3, l'édition, la première de la matinale. Au sommaire de la matinale de ce mercredi 27 mars, le président de la République décide d'opérer un mouvement partiel dans le corps des chefs de poste diplomatiques et consulaires. Ce mouvement partiel a touché 28 ambassadeurs, 3 consuls généraux et 3 consulats. Examen ce mercredi des mécanismes de mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité sur Gaza à l'initiative de l'Algérie qui a dirigé le groupe des 10 membres en faveur d'un cessez-le-feu immédiat durable et inconditionnel à Gaza. Nous écouterons le chef de la diplomatie, Ahmed Attaf. Et puis, le général d'armée, Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite hier de travail et d'inspection au commandement des forces de défense aérienne du territoire. Il a insisté notamment sur l'importance que l'AMP accorde à la maîtrise de l'espace aérien. Une première historique au plan économique, le crédit populaire d'Algérie, officiellement introduit à la bourse d'Alger. Et puis, la première semaine des vacances de printemps qui ont débuté le 21 mars. Au soir est dédié aux cours de soutien, notamment pour les candidats aux épreuves des examens de BEM et du baccalauréat. Les établissements scolaires restent ouverts pour les accueillir. Il y aura également du sport avec ce match amical hier soir entre l'Algérie et l'Afrique du Sud. Un match amical qui s'est soldé sur un score de parité de 3 buts partout. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République décide d'opérer un mouvement partiel dans le corps des chefs des postes diplomatiques et consulaires. Ce mouvement partiel a touché 28 ambassadeurs, 3 consuls généraux et 3 consuls. Ces nominations s'inscrivent dans le cadre de la redynamisation de l'appareil diplomatique et visent à optimiser la performance de l'action diplomatique face aux enjeux du mouvement du moment et assurer une prise en charge optimale de notre communauté nationale installée à l'étranger, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Et à propos justement de performance de l'action diplomatique, après l'adoption de la résolution sur un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza, une résolution historique et qui porte l'empreinte de la diplomatie algérienne, l'heure aujourd'hui est à sa mise en œuvre. Examen ce mercredi des mécanismes de mise en œuvre de la résolution du Conseil de sécurité sur Gaza à l'initiative de l'Algérie qui a dirigé le groupe des 10 membres élus en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, durable et inconditionnel à Gaza. Annonce faite hier par le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger. Je vous propose d'écouter Ahmed Attaf. La priorité sera donnée au suivi de l'application de l'accord et cela demande un grand travail et des efforts importants. Il doit y avoir des négociations afin que chacun sache quel rôle il doit jouer. Une rencontre ministérielle extraordinaire au niveau du Conseil de sécurité sera organisée à partir du 17 avril pour aborder la question des réfugiés palestiniens ainsi que la problématique que connaît l'UNRWA. Nous aborderons plus tard la question de la demande palestinienne pour devenir un État membre à part entière aux Nations Unies. Je pense que la vision de la communauté internationale envers le dossier palestinien est en train de changer et cela est très important. En effet, pour la première fois, les États-Unis n'ont pas brandi leur veto, optant pour l'abstention, ce qui a permis justement l'adoption de cette résolution. Le ministre des Affaires étrangères est revenu sur l'appel téléphonique avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken pour mettre au point la résolution. J'ai eu effectivement quelques trois quarts d'heure avant le vote, une discussion avec le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken, et l'entretien a porté précisément sur ce vote américain. Il m'a informé de la profondeur des discussions qui ont eu lieu au sein du département d'État et de la Maison-Blanche sur ce projet de résolution et qu'ils étaient parvenus à la conclusion qu'il était grand temps pour les États-Unis de se joindre à l'ensemble de la communauté internationale pour mettre en place un processus inconditionnel du cessez-le-feu qui permettrait l'acheminement de l'aide humanitaire dans une première phase et qui pourrait paver la voie ensuite à un processus politique à propos duquel les discussions, les consultations, plusieurs niveaux sont en cours actuellement. Sur un autre plan, le chef de la diplomatie Ahmed Attaf a affirmé que l'affaire de la confiscation des biens de l'ambassade d'Algérie au Maroc était close, je cite, après que le Maroc a pris une décision jugée appropriée suite à la réponse de l'Algérie à ce sujet. La souveraineté de l'Algérie est entre de bonnes mains, a-t-il ajouté. L'adoption par le Conseil de sécurité des Nations Unies d'une résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat à Gaza pendant le mois de Ramadan constitue un grand succès pour la diplomatie algérienne. Affirmation du Moudjahid et ancien diplomate Nordine Joudi que nous vous proposons d'écouter ce matin.
qu'il a réalisé un véritable coup de maître après les différents vétos qui nous ont empêchés d'avoir cette résolution. Celle qui a été présentée par l'Algérie a obtenu le oui de tout le monde. Même les États-Unis ne sont pas opposés leur veto. 14 membres sur 15, c'est un fait rare. C'est une performance extraordinaire. Cette résolution est un grand succès parce que c'est un premier pas positif qui va déclencher une cessation définitive de l'usage des armes contre Gaza. Et quant aux autres réactions, celle de l'Assemblée populaire nationale qualifie l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza de réalisation historique à marquer en lettres d'or, saluant le rôle exceptionnel de la mission diplomatique algérienne auprès des Nations Unies en sa faveur. C'est ce qu'indiquait hier un communiqué de l'institution parlementaire. L'adoption à une écrasante majorité du projet de résolution présenté par l'Algérie relative à un cessez-le-feu immédiat et sans condition à Gaza sonne comme une victoire que notre diplomatie a réalisé face au blocage récurrent et à la passivité des instances onusiennes. L'Algérie réaffirme ainsi son statut de défenseur des peuples opprimés et de porteur de la voix de la liberté, des droits de l'homme au sein des instances internationales. Chekib Benzaoui. Une victoire face à l'inertie du Conseil de sécurité, tant dénoncée par l'Algérie. Après l'abstention de Washington, les 14 membres ont ainsi affiché leur ras-le-bol face à l'impunité de l'entité sioniste depuis le début du génocide. Docteur Saïd Ayachi, spécialiste en questions politiques. Nous venons de vivre un grand moment de la diplomatie algérienne au Conseil de sécurité. Fidèle à ses référents historiques, a inscrit encore à son palmarès une victoire éclatante. Et il faut reconnaître à ces diplomates et à leur tête, Ammar Benjamin, la tenacité, la pugnacité, je dirais même la persévérance. Ils avaient engagé au sein du Conseil de sécurité une féroce bataille qui était loin d'être gagnée d'avance. C'est un secret politique de dire que Anthony Blinken a appelé Ahmed Attaf une demi-heure avant le vote pour lui dire que nous allons nous abstenir, qu'on va laisser passer la résolution. C'est pas, j'allais dire, une concession des États-Unis, c'est près de poids des arguments de l'actualité qui a été développé par nos diplomates au sein du Conseil de sécurité. L'Algérie, porteuse d'espoir pour les 184 pays qui l'ont plébiscité, honore ses engagements selon le professeur Kamal Filali, expert en droit international des droits de l'homme. Non seulement l'Algérie honore son mandat, elle va au-delà, c'est-à-dire elle fait des efforts qui en principe œuvrent pour la paix et la sécurité internationale, ce qui est l'objectif de la Charte des Nations Unies. N'en déplaise aux détracteurs ici et là, et Dieu merci, ne sont pas importants. C'est un pays écouté par les permanents comme par les non-permanents, comme par les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies. À travers cette résolution, la diplomatie algérienne réaffirme son statut de défenseur des peuples opprimés et de porteur de la parole de la liberté et du droit à la dignité humaine au sein des instances internationales. Une résolution du Conseil de sécurité à l'épreuve du terrain également. L'entité sioniste qui poursuit son entreprise génocidaire, le sud de la bande de Gaza, était le théâtre hier soir d'intenses bombardements sionistes malgré les pressions internationales en faveur d'un cessez-le-feu immédiat dans l'enclave palestinienne. Il y a eu également des raids sur le sud du Liban avec des martyrs, 6 en tout. Retour chez nous, le général d'armée Saïd Chengrihan, vous le disons en titre, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en visite de travail hier et d'inspection au commandement des forces de défense aérienne du territoire. Dans une allocution d'orientation, il a souligné l'importance de l'ANP, que l'ANP accorde à la maîtrise de l'espace aérien, considéré comme un facteur décisif pour atteindre la supériorité aérienne et remporter les batailles modernes. On écoute le chef d'état-major. Au sein de l'armée nationale populaire, nous sommes pleinement conscients de l'importance de la mutation radicale de la nature et du théâtre des batailles modernes, où l'espace aérien occupe désormais et sans conteste les premiers rangs des opérations et ainsi devenu un critère opérationnel d'importance majeure et un facteur décisif, capable de faire pencher la balance des guerres et pas seulement remporter les batailles. C'était le général d'armée Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Élection présidentielle anticipée du 7 septembre prochain. Les partis politiques s'y préparent. Déjà, le président du parti du mouvement Albina a supervisé hier l'installation de la Commission nationale des élections. Abdelkader Benguerina a tenu à souligner l'importance de cette échéance dans la consolidation et la construction institutionnelle. Les détails avec Ibtihal Adouna.
Ces prochaines élections présidentielles représentent un jalon essentiel dans la consolidation de la démocratie en favorisant une compétition électorale équitable et en promouvant la participation citoyenne, selon Abdelkader Benguerina, président du mouvement Albina. Ce scrutin revêt une dimension cruciale, tant sur le plan légal que politique, incarnant le sommet du pouvoir et l'unité nationale. Ces élections présidentielles représentent une étape fondamentale dans la consolidation des valeurs démocratiques et la garantie d'une compétition électorale équitable. Ces élections offriront également une plateforme pour mobiliser les forces politiques nationales autour de programmes et de visions économiques, ainsi que pour présenter des projets de développement stratégique. Abdelkader Benguerina. Les élections offrent également l'opportunité de promouvoir un discours politique axé sur la mobilisation des forces nationales autour de programmes politiques, ainsi que la présentation de projets de développement stratégique. Il est nécessaire de garantir le succès de ce processus électoral, car l'enjeu dépasse les intérêts individuels pour englober le bien-être de la nation. Selon le responsable du parti, ces élections présidentielles seront déterminantes pour réaliser les aspirations nationales vers un avenir sûr et prospère. Et nous vous disions en titre cette première historique au plan économique, le Crédit Populaire d'Algérie a été officiellement introduit en bourse hier. L'objectif est de capter plus de capitaux et diversifier les sources de financement. Les détails avec Rimbo Kadomba. Le CPA est la première banque publique à être cotée en bourse. Plus de 80% des 60 millions d'actions ont été vendues au niveau du marché du neuf. L'opération est jugée réussie dans sa première phase, ce qui va permettre de créer une dynamique économique et contribuer à l'évolution du PIB national. Ali Kadri, directeur général du CPA. On a réussi à vendre l'équivalent de 112 milliards de dinars, soit 49 millions d'actions, qui correspond à plus de 200%. L'opération n'est pas complètement achevée, reste l'équivalent de 25 millions de Dina qui va être traité sur la phase 2, Inch'Allah. Ça va être une vente d'actions en bloc sur le marché secondaire. Ce qui reste va être cédé sur le marché secondaire dans les semaines à venir. Le financement direct propose des avantages fiscaux aux investisseurs allant jusqu'à 5 ans. L'introduction du CPA en bourse sera suivie par celle de la BDL. Justement, le dossier pour l'octroi du visa est en cours d'étude. Youssef Bouznada, président de la COSOB. Tout dividende distribué est exonéré de l'IRG. Il y a aussi pour les sociétés de les encourager à s'introduire en bourse par l'exonération de l'IBS. Pour l'opération de la BDL, le dossier est en cours de traitement. On a reçu une première mouture de la notice d'information au niveau de la COSOB qui a été transmise par la BDL. J'espère que l'introduction de la BDL se fera avant la fin de l'année. La décision d'établir une réforme financière pour capter plus de capitaux est dans l'intérêt de l'économie nationale. Il s'agit de diversifier les instruments de financement des investissements, de garantir une bonne gouvernance des entreprises et d'instaurer un climat de confiance entre les investisseurs. Et des chiffres à retenir également ce matin, un total de 96 investisseurs ont bénéficié des décisions provisoires d'octroi du foncier relevant du domaine privé de l'État pour la réalisation de projets d'investissement. La remise des décisions d'octroi du foncier intervient après que les porteurs de projets ont déposé leur demande via la plateforme numérique de l'investisseur lancée le 8 février dernier. Du sport pour terminer avec ce score de parité hier, 3 buts partout en match amical entre les Verts et la sélection sud-africaine. Voilà, c'était la dernière information de cette édition réalisée par Issa Abdelrahman. Merci à vous de nous avoir prêté attention.